Travis. Qui cela peut-il être? Oh, bonjour la grenouille. Tu as peut-être remarqué ma nouvelle voiture. C'est Sylvestre, ou Sly pour faire court. Salut Sylvestre, enchanté de te rencontrer. Oh, veuillez nous excuser. Quelqu'un a besoin de notre aide. Dylan a des problèmes sur le site du chantier. Permettez-nous de vous aider. Nous y serons en un rien de temps. Je pense que nous ferions mieux d'y aller quand même, les mécanos. Allez, Tilly, la dépanneuse. Je me demande si on peut aider Dylan sans s'approcher de cette horrible boue. Ah! Pas ce bouton! Je savais qu'on allait régler ça. Tire, Sly! Est-ce que je dois tout faire moi-même? Sors-moi de là, Sly! Maudite soit cette misérable boue! Ne vous inquiétez pas, on va vite vous sortir de là. Allez, les mécaniciens! Peut-être aimerais-tu venir à ma station de lavage, Sly? Et vous êtes le bienvenu aussi, Monsieur Weasel. Non, merci. Ah! Oh, à très bientôt, tout le monde. Au revoir. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf! Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être hanté! Bleu? Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire adieu, fantôme. Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous. Au revoir. Voici Kat qui arrive. Oh. Hola, Gecko. Hola, les mécaniciens. Salut, Kat. Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir. Oh, je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat. Fais voler cette camelote, Sly. Ah, plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre. Ce n'est pas de la camelote. Tu as raison, Kat. On peut utiliser ces trucs. Il ne faut pas gaspiller. Je peux dire que tu as déjà une idée, Gecko. Disons que je vise haut.
les amis, aussi rapide que l'éclair. On a construit une machine volante avec un tas de déchets. Allez, allez, les mécaniciens, il est temps de voler haut dans le ciel. Oui. Hey. Ah, tout beau, tout propre, après avoir touché cette horrible Camelot. Et elle a déjà disparu. Je ne verrai plus jamais ces ordures. Ah! 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 On forme une sacrée équipe, sur Terre et maintenant dans les airs. Oui, Kat, c'est bien vrai. Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire. Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Non, ce n'est pas ça. Attends une minute. Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Yeah. Hurrah ! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby ? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir. On a fini les mécaniciens. C'est le soir de Noël et le garage est magnifique. Vous savez ce que vous souhaitez du Père Noël? Oh, tu ne sais pas, Bleu? Eh bien, tu ferais mieux de te décider. Le Père Noël sera bientôt là. Oh, oh, oh! Oh, wow! Je ne pensais pas qu'il arriverait ici si tôt. Hein? Bonjour, Père Noël. Gecko, j'ai besoin de ton aide. Mes rennes sont malades et mon traîneau ne peut pas voler. Et je dois le conduire dans le ciel. Si je ne livre pas tous ces jouets, il n'y aura pas de Noël pour les filles et les garçons. Ne t'inquiète pas, Père Noël. Nous allons le faire voler. C'est ça. Oh, wow!
Waouh. Noël a été sauvé par l'équipe de Gecko. Alors voici un cadeau pour chacun d'entre vous. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci, Père Noël. Tu as décidé ce que tu veux, Bleu? Oh, est-ce que tu veux monter sur mon traîneau? Alors monte à bord et volons loin. Ho, ho, ho! Oh, joyeux Noël de la part de nous tous, ici au garage de Gecko. Joyeux Noël! Tu peux le faire, Molly. Hey, elle l'a fait. Ne t'inquiète pas, Molly. On va sauver ta peluche. Allez, tout le monde. Oh, oups! La peluche est sur Fiona. Suivez ce camion de pompiers. Fiona! Arrête-toi! Qu'est-ce que... Allez, grenouille! Laisse-moi passer! Wilbur T. Weasel arrive! Non! Le feu est toujours rouge! Attends, Fiona! Je dois regarder ton toit! Nom d'un petit boulon! Il a disparu! Ah... Il était temps. Eh bien, une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly. Où est mon appareil photo? Je veux prendre une photo. Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres. Oh, on va continuer à chercher Molly. Ne t'inquiète pas. On aurait une meilleure vue depuis le ciel. Nom d'un tournevis. C'est la peluche de Molly. Je ne m'attendais pas à ça. Où est-il passé, Sly? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous. Monsieur Weasel nous a mis au défi d'une partie de football. Et j'ai avec moi deux super camions dans mon équipe. Ce trophée est à moi. Les perdants de grenouilles ne peuvent rivaliser avec les gagnants de Weasel. Rappelle-toi, Max, tu restes dans les buts. Parce que tu bloques absolument tout. Démarrez vos moteurs. Enfin, si vous en avez un. Bonne chance, équipe. Amusez-vous bien. Et c'est parti. Bébé camion triple. Enfin, avec le ballon. Il n'y a aucun moyen de passer Max, le monstrueux gardien. Oh, les roues de Weasel passent à l'attaque. Superbe plaquage. Oh non, bébé camion a pneu crevé. Oh, pauvre bébé, quel manque de chance. Weasel pour Sly, qui tombe sur Tilly. À présent, le pot d'échappement de Tilly est tombé. Cette partie est folle. Passe-la-moi. Passe-la-moi, Sly. Tu ne feras que rater. Oh. Non. C'était de ta faute, Sly. Oh, bon sang. Vous avez tous deux besoin d'une solution rapide. Oh, c'est la mi-temps. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. Bébé est blessée, mais courageuse quand même. Avec son pneu tout neuf, elle revient dans le game. Le pot de Tilly est tombé sous le choc. Rattachons-le, il sera fort comme un roc.
On s'est reposé un peu, on y retourne et on fait de son mieux. Arrêtez de traîner, vous deux. Nous devons gagner, quoi qu'il puisse en coûter. L'équipe Gecko à l'attaque, préparée et prête à partir. Oh. Waouh, Tilly est plus rapide que jamais avec son nouveau pot d'échappement. Attention! Faute! Un défi de corde par Weasel. Carton rouge! Jamais! Il reste encore quelques secondes. On peut gagner avec ce coup franc. Allez, allez l'équipe! Vite! Le garage de Gecko! Non, non, non! C'est pas juste! D'habitude, tricher, ça marche pour moi. Bien joué, les équipes! Le fair play a gagné aujourd'hui. Au revoir, tout le monde! Et voilà, Rouge. Tu es comme neuf. Ah, j'ai l'impression que c'est hier que je vous ai tous construit. Mais ne vous inquiétez pas, je garde vos plans en sécurité ici. Ainsi, je saurai toujours comment vous réparer. Si je pouvais mettre la main sur ces plans, je pourrais fabriquer mon propre mécanicien. Et mon garage serait alors le meilleur au monde. Réveille-toi, Sly. J'ai un plan astucieux. Oh, Sly, qu'est-ce que tu fais là? Où est Monsieur Weasel? Un problème avec ton pot d'échappement? Eh bien, si Monsieur Weasel n'est pas là, je vais y jeter un coup d'œil. Je vais trouver ses plans. Je vais trouver ses plans. Peux-tu me passer une pince, s'il te plaît? Laisse tomber, poubelle. Les plans sont à moi, maintenant. Ouf, je l'ai eu. Ah, tu es réparé, Sly. Hé, hey, Rouge, tu as déjà besoin d'une autre réparation? Bonjour tout le monde, nous sommes en route pour la maison de Kat pour une vente de gâteaux. Hola amigos, bienvenue à ma vente de gâteaux. Nous avons des beignets, des cupcakes et mon préféré, tres leches. Où sont les gâteaux, Kat? Oh non! Mes gâteaux ont été volés! Ces gâteaux sont délicieux et ils sont tous à moi! Pas à toi, Sly! Trouve tant d'autres! Je suis si plein! Je crois que je vais fermer les yeux! Oh non! Monsieur Weasel s'est endormi au volant! Suivons cette voiture de sport! Monsieur Weasel! Réveillez-vous! Nous devons les arrêter. Accrochez-vous bien, les mécaniciens. Ah,
Monsieur Weasel, vous allez bien? Oh, ça va, Sly. C'est juste un pneu crevé. On peut le réparer. Gecko sait exactement quoi faire. Avec un pneu réparé, tu seras comme neuf. Gecko, des nouvelles de Megato? Excellente! Tu as retrouvé les gâteaux! Oui, bien joué, Sly! Non, non, non! Qui trouve, garde! Ils sont à moi! Non! Oups! Allez, Kat! Ramenons ces friandises ou tu vends tes gâteaux! Au revoir, tout le monde! Bonjour à tous! Je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier, comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour, bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon, tu es entre de bonnes mains, n'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh! Oh! Bébé camion! Attends! Oh non! On a fait fuir bébé camion! Ne t'inquiète pas, maman camion! On va le retrouver. Vite, les mécaniciens. On doit trouver bébé camion. Pauvre petit camion. Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur, mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Gecko aujourd'hui. Au revoir. Je ne me sens pas très bien. Oh mon Dieu! Il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui. Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens? Bien. Hein? C'était
C'est quoi ce bruit? C'est bon. Je me sens mieux maintenant. Hein? On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Nous allons à la plage aujourd'hui. Rappelez-vous, les mécaniciens. Ne prenez que ce dont nous avons besoin. Hein? Oh! Porte de garage, ouvrez-vous en grand. Il est temps d'aller au bord de la mer. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Vern ne peut pas attendre pour une crème glacée. Oh non! Vicky est en panne. Jetons un coup d'œil. Ah, je vois le problème. On va te remorquer jusqu'à la plage et je te réparerai là-bas. Tu vas bien, Tilly? Si tu as besoin de faire une pause, dis-le-moi. Oh! Ah! Nom d'un tournevis qui tourne. Maintenant, on est coincé. On va te ramener à la maison, Tilly. Mais d'abord, nous devons aider Vicky. Pas étonnant que tu te sentes fatiguée. Une bougie toute neuve est ce qu'il nous faut. Ah. Tu ferais mieux d'y aller, Vicky. Nous irons à la plage un autre jour, les mécaniciens. On doit d'abord réparer Tilly. Salut, Trevor. Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît? J'ai une bonne idée. Merci, Trevor. Tu es comme neuf. Ah, notre cher ami Tilly. Nous t'aimons plus que tout. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repos bien mérité. Mais d'abord, sortez tous. Vous méritez tous une récompense spéciale. Tada! Si nous ne pouvons pas aller à la plage avec nos amis peuvent nous apporter la plage. Tout le monde. C'est ça, les mécaniciens. Nettoyons le garage comme il faut. Oh, on dirait qu'on a des clients. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Il n'a pas l'air très content. Une dent qui bouge. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, bébé camion. Quand elle tombera, tu pourras la mettre sous ton oreiller et tu recevras une belle pièce d'or. Oh non! Bébé camion a perdu sa dent qui bougeait. Oh, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Allez, allez les mécaniciens. Burk. Désolé, Vert. Ce n'est pas une dent. Ah, attention, Jaune. Ah.
cherché dans tout le garage. Et il n'y a aucune trace de la dent de bébé camion nulle part. Oh. Juste une minute. Il y a un endroit où on n'a pas vérifié. C'est dans le plumeau de bleu. Ah ah! Et voilà, bébé camion. Maintenant, rentre chez toi et mets-la sous ton oreiller. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures excitantes au garage de Gecko. Au revoir! Achou! Salut tout le monde! C'est Gecko! On est sur le chemin du retour. Quoi? C'est bébé camion! Qu'est-ce qu'il y a, bébé camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens! Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Désolée, bébé camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, bleu! Bien joué! Tu l'as trouvée! Et voilà, bébé camion. Ah! Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir! Bonjour à tous, nous sommes à la base de 4. Elena a besoin d'un nouveau jeu de lame rotative. Oh, un peu de musique pendant que tu travailles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attacher les nouvelles lames. Hein? Il n'y a plus d'électricité. Il doit y avoir une coupure de courant. Oh non! Elena ne peut pas voler! Mon système d'alerte ne fonctionne pas. Que ferons-nous s'il y a une urgence? Attendez tous! J'ai une idée! Avec ces vieilles palettes, on peut construire une éolienne et produire de l'énergie à partir du vent. Oh! Youh! Merci, Rouge. Ne lâche pas. Une fois qu'on exposera ces palettes à l'air, le vent les fera tourner et générera de l'électricité pour la base de 4. Maintenant, 4! Lâchez maintenant! Hé là! Tu n'es pas censé voler! Hourra! Et voilà! On a travaillé ensemble, en équipe, pour produire une électricité propre. Waouh! Bon boulot, les mécaniciens! Un garage propre est un garage heureux! Oh,
C'est bizarre, on n'a plus d'électricité. Il doit y avoir un problème avec nos panneaux solaires. Oh mince, la lumière du soleil est cachée. Mais ce n'est pas un nuage normal. Allons enquêter, les amis. Essaye maintenant, Dylan. Je ne comprends pas. Ton moteur devrait fonctionner correctement. J'ai suivi les instructions. Bonjour, Monsieur Weasel. Est-ce que tout va bien? Tout va parfaitement bien, Gecko. Je renonce. Laisse-moi regarder, Dylan. La mauvaise nouvelle est qu'on va devoir démonter ton moteur, Dylan. Mais la bonne nouvelle est que j'en ai un tout nouveau qui sera bien meilleur pour toi et pour tout le monde. Parfait. On va avoir besoin de l'aide du soleil. Et Dylan aussi. Cette batterie va se charger grâce au panneau solaire. Pendant qu'on va installer le nouveau moteur électrique de Dylan. Dylan. Bon travail, Vert. Des clients propres sont des clients heureux. Et une planète plus propre est aussi une planète plus heureuse. Bonjour tout le monde. On vient d'installer une toute nouvelle brosse au lavoto. Voyons voir si elle fonctionne bien. Youpi! Ça marche à merveille! Bien joué, les mécaniciens! Avec ce nouveau moteur, je suis la belette la plus rapide en ville! Oh là là! Je n'aime pas l'aspect de tout ceci, les mécaniciens! Attention, les mécaniciens! Aidez-moi! Oh, c'est dégoûtant! L'huile s'est renversée partout! Arrêtez-moi ça! Nom d'un tournevis qui tourne! Monsieur Weasel est hors de contrôle! Oh, quelle énorme et méchante marée noire! Nettoyons-la de suite, vite et bien! Mais cette huile est très collante! Oh, nous allons avoir besoin d'une plus grande brosse! Oh, bien sûr! Nous pouvons utiliser la vieille brosse du lavoto! S'il vous plaît, pouvons-nous l'attacher à vous, maman recyclage? Prenez des outils, c'est le moment de réparer! Et en même temps, chantons en rythme. Pour que ce soit propre et beau, attachons cette brosse de lavoto. En rond, on la fera tourner. De l'huile, le sol sera lavé. Tournez la brosse, vite fait, bien fait. Et adieu l'huile à jamais. Prêt tout le monde? Allez, allez, allez! Maman recyclage, ça marche. Bon travail tout le monde. Maintenant tout est beau et propre. Oh, contrairement à Monsieur Weasel. Hein?
Il se peut qu'on ait un autre client, Maman Recyclage. Au revoir, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez, voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut bébé camion. Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Ah ah, c'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir. On est presque arrivé au garage, les mécaniciens. Wow! Quelqu'un a jeté des ordures sur la route. Il y en a beaucoup et Maman Recyclage n'a pas l'air contente. Allez, si on suit la piste, on découvrira qui les a jetés. La piste nous amène à gauche. Hein? C'est Dylan, le camion Ben. Son coffre cassé laisse tomber des détritus. Mais la musique est si forte qu'il ne le remarque pas. Les mécaniciens, nous devons éteindre la musique de Dylan. Recyclons et sauvons la journée. Et utilisons des choses qu'on a jetées. Dylan! Dylan! Ton coffre, il est cassé. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Pendant que Maman Recyclage et les mécaniciens trient les déchets. C'est fait. Comment se passe le tri? À très bientôt pour de nouvelles aventures au garage de Gecko. Dylan, baisse le son. Bonjour à tous. Bébé Camion est venu pour jouer avec les mécaniciens. Je viendrai bientôt jouer. Je dois juste finir de changer les roues de Fiona, le camion de pompier. Quelqu'un a besoin d'aide. Oh non!
Il y a un incendie et Fiona ne peut pas aider. On n'a pas fini de changer les roues. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ah, c'est ça, la station de lavage. Bébé camion, ça te dirait d'être un camion de pompier pour la journée? Allez, allez, bébé camion de pompier! Tout va bien, Trevor. N'aie pas peur. Les pompiers de Gecko sont là. Oh non! Il y a une fuite! Occupe-t'en, Rouge! Tout va bien, Rouge! Pas de problème, Trevor! Ah, et bravo, bébé! Tu fais un très bon camion de pompier! Au revoir tout le monde. Salut à tous. On va camper ce soir. Très près de la maison. Nous avons juste besoin de monter la tente. Hein? Quoi? Peu importe les mécaniciens. Ah, il commence à faire sombre. Allumons un feu et faisons griller des chamallows. Quand vous allumez un feu, ne vous blessez pas. Restez en retrait et soyez vigilants. Regardez, c'est Fiona le camion de pompier et Dandy. Il doit y avoir une urgence. Au feu! Au feu! Pas de panique, les copains. Dandy est là pour gérer le danger. Attends, Dandy, stop! C'est notre feu de camp. Oups! Désolé, Gecko. C'est bon, Dandy. On va faire griller des chamallows. Fiona et toi, voulez-vous vous joindre à nous? Est-ce qu'on le ferait? Oui, merci. Oui! Oups! Désolé, Fiona. Nom d'une échelle tournante. Les commandes de Fiona sont hors de contrôle. Restez calme, tout le monde. Dandy s'en occupe. Oh. Tiens bon, Dandy. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe comme prévu. Ce bouton devrait arrêter l'échelle. Ouf. Mettons Fiona dans le garage et réparons vite ses commandes. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. Réparons les commandes de Fiona. Regardons bien ce qu'il se passe par là. Les boutons sont cassés et les leviers desserrés. Un bon coup de pouce, voilà ce qu'on va leur donner. Contre les incendies, ces commandes sont bien pratiques. Fiona et Dandy, bon travail d'équipe. Notre boulot est fait. Réparer c'est chouette, tout le monde est satisfait. C'est tellement amusant! Merci, Gecko! Non, merci, les mécaniciens! J'adore les chamallows! On doit y aller! Quelqu'un a besoin de notre aide! Oups, pas celui-là! Désolé. Eh ben... Ah, c'est l'heure d'aller au lit, de toute façon. Au revoir, tout le monde. Ah. D'où vient tout ce désordre? Maman! Oh!
Weasel, vous allez bien? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde. Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace. Nous devons arrêter Vicky avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts. Ça y est, elle arrive. Tu es prêt, Bleu? Appuie sur le bouton éteindre. Ouf. Bien joué, Bleu. Vous avez encore mon camion à glace. Déteste les fusées. Venez les mécaniciens, allons voir s'il va bien. À très bientôt. Au revoir. Regardez les mécaniciens, voilà Cap qui arrive. Les nouveaux patins d'hiver que nous avons installés sur Elena l'aideront à atterrir en toute sécurité sur la neige. Hi-ha! Tu as réussi, Elena. Bonjour Cap. Bonjour Gecko. Regarde Rouge. Carrie et Barry font un bonhomme de neige. Hey! Oh! Nom d'un petit chien! Ils partent à la dérive! Allez vite, Tilly la dépanneuse! Ne vous inquiétez pas, les jumeaux. On va vous sauver. Attrape, Carrie. Oui. Kat, tu peux essayer de rattraper Barry? No problemo. Vamos, Elena. Je t'ai. Appuie sur le bouton rouge. On a réussi. Ah. Dommage qu'on n'ait pas pu sauver le bonhomme de neige. Gecko? Oups! Lo siento! Pas de problème, Kat. On a un bonhomme de neige après tout. Ou plutôt, un gecko des neiges. Allez, Bleu. C'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, les mécaniciens. Hein? Bobby, que fais-tu ici si tard? Oh là là, tu as besoin d'une nouvelle roue. Je peux réparer ça. Mais il ne faut pas faire de bruit. Oh! Ouf! On l'a échappé belle. Oula! Non, 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 non. Hey. Oh!
Oh. Ah. C'est fini, Bobby. Bonne nuit. Je vais peut-être juste m'asseoir un moment. Bobby? Oh non! Ton pare-brise est fissuré! Vite, rentre à l'intérieur! Oh, ça doit faire mal! On va devoir le remplacer! Les mécaniciens, vous pouvez aller chercher un nouveau pare-brise, s'il vous plaît? Et faites attention! Ce verre est très fragile! Regardez ma nouvelle dent. Elle est en or et elle brille. Hors de mon chemin, les poubelles. Gecko, regardez ma nouvelle... ma dent en or, où est-elle? Elle m'a coûté si cher. Bien joué, les mécaniciens. Merci d'avoir apporté le pare-brise. C'est fait, Bobby. Tu peux y aller. Les mécaniciens, vous pouvez enlever l'ancien pare-brise? Ah ah! Je l'ai trouvé! Ah, une réussite, les mécanos! Un autre client heureux! Oh non! C'est un désastre! Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Weasel? C'est Sly! Ma précieuse voiture de sport a une saleté! Sly peut utiliser notre station de lavage! Ma station de lavage Weasel est meilleure et de loin! Allez, Sylvestre, arrête de traîner. Tu dois être ici. Non. Pas moi, misérable robot. Sly, fais quelque chose, je t'en prie. Oh non. Espèce de clown maladroit. Sly a besoin de notre aide, Bleu. Vite, prends ma trousse à outils. Bleu, passe-moi ma clé à molette. Cette machine à laver Weasel est devenue folle. Vous allez bien, Monsieur Weasel? Mieux que jamais. Heureux de l'entendre. Oups, j'ai oublié la trace. Oh.
Merci, Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas. Bébé et maman camion vont faire un pique-nique. Mais bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, bébé camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. Oh, c'est ça le problème, bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens. Allez chercher de l'eau. Oh là là, tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah, j'ai trouvé. Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, bébé camion. Il est temps de se rafraîchir. Ah. Tu vas mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir.